Yeah.
255 ans national. Alors premier, Guichard Gérard du motoclub de Blinon. Deuxième, Tony Moulot de Blinon également. Troisième, Simon Laurent de Blinon. Quatrième, Nick Matandon de Blinon. Donc très beau tir groupé du motoclub de Blinon. Nous arrivons donc au cinquième relais du motoclub de Tourny. Sixième, Gousseau Chablis. Septième, Dacier Venois. Huitième, Solinia Brunon. Neuvième, Gali Lens-Sulpice. Et dixième, Tessède du MC Tourny. C'est Félix du MCA, c'est-à-dire le motoclub boxé à poignée de la Bélire. On cherche une femme. Là, il y a une femme là, vous faites la vie. Rien dans l'eau, en bas, là, dans l'eau. Il y a une bouquet de fleurs qui l'ont connu par la maison Petit de Brillant. On peut l'applaudir. Le deuxième, le deuxième pilote, c'est donc Sébastien Collin, numéro 7, qui reçoit la coupe du maire de Brillon. Tourne à ma gauche. Le troisième, c'est un autre Brillonnais, c'est Demitier, avec le numéro 2. On peut les applaudir, oui. Et le quatrième, c'est Dufour, numéro 55, du Mont-Saint-Sulpice. Et puis alors, 925, vous avez pu remarquer, on a une jeune fille qui roule depuis 7 ans au motoclub de Brillon. On veut donc la récompenser, c'est normal. C'est une coupe Colbert à l'intention d'un foncier, en récompense de sa persévérance. Alors Laetitia, je vais te faire la bise. La demoiselle. Ah oui, vous êtes pour moi si vous êtes vainqueur. Alors je crois qu'on peut appeler à la course de 125 en décembre. On a eu donc Félix du motoclub de fer, Sébastien Colin deuxième, troisième Demoutier et quatrième Dufour. On l'applaudit. Alors maintenant, 255, celui qui a su superbement remporter donc cette finale, on le connaît bien puisqu'il est de chez nous aussi, c'est Guichard Gérard de Brillon. On peut l'applaudir. Qui est Guichard? Ah bon. Alors il a les récentes coupes. Et je voudrais qu'un représentant le chez. Marion, viens voir Marion. Je voudrais que les gens de chez ID+, ceux qui vous font monter cassettes, que vous pouvez voir les beaux films, ont offert une belle coupe. Et je voudrais que quelqu'un vienne, ou une madame de chez ID+. Ah ben,
une belle coupe. Bon coup de brunet, pour pas la vie. Voilà, Guichard Francis, le deuxième, c'est un nom qu'un brimonné, Minotomi. Une coupe offerte par la maison Eagle. Là, aujourd'hui, ça a été une finale de mise à San Bruno, offerte par Eagle. Le troisième, c'est Simon Laurent de Brinon aussi, qui reçoit donc aussi une coupe offerte par Eagle. Laurent Simon. Et le quatrième, c'est Nick Montandon, Jean-Marc la 500, quatrième, qui reçoit aussi sa coupe. Bon, on peut applaudir les 2500, s'il vous plaît. Ils nous ont offert un beau spectacle, et on voit un peu... On a vu que Guichard avait un peu de métier, quoi, depuis le temps qu'il roule. Hein, avec son beau, la belle coupe ID+. Ouais. Voilà, c'est lui qui va vous faire la remise de prix. Il y a les noms, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont le connaître, Stradella. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je voudrais monsieur Blanchouin, s'il vous plaît. Le micro. Oh. Du Mans. Merci. Merci Yannick. Bon, le deuxième, monsieur Yannick. Oui, alors, je voulais dire que les coupes... Où elle est la deuxième? Elle est derrière. Les coupes étaient offertes par les mutuelles du Mans. C'est monsieur Laurent à Vermenton. Il avait dit, c'est Vermenton. Monsieur Magna, Francis, allez, à cheval. Une coupe offerte par l'établissement Montandon de Brion. Maintenant, la catégorie or. Monsieur Pléo. Il arrive, le Pléo. Alors, encore une coupe offerte par les mutuelles du Mans de Vermenton, monsieur Laurent. C'est l'assureur de la manifestation d'aujourd'hui. Et Pléo va recevoir son petit bouquet de fleurs.